Alors c'est le week-end, Alban, mais ce sont également les vacances de la Toussaint. Alors si vous êtes en région parisienne, on a une idée d'activité pour vos enfants. Europe 1 vous propose de souffler et de vous amuser avec la désormais traditionnelle Kid Expo. 15e édition à la Porte de Versailles à Paris jusqu'à demain. Une centaine d'activités pour toute la famille avec machine à bulles, atelier d'anglais, concours de cartes Pokémon et même construction de cabanes. Le paradis des grands comme des petits. Immersion dans le temple du loisir avec Mathieu Prior. Apprendre en s'amusant, c'est le maître mot de l'exposition cette année. Des stands où les enfants peuvent réaliser des expériences scientifiques, participer à des ateliers culinaires ou encore à des jeux simples, mais où il faut réfléchir. Le but du jeu, c'est d'emmener tous les lièvres dans les terriers, mais pour cela, t'es obligé de sauter un obstacle. Donc tu vois, lui, il va sauter au-dessus du champignon et après il va où ? On va jouer avec les renards. Les renards, ce sont tes amis. Je pensais que les renards, ils mangeaient les lièvres. Le salon est aussi l'occasion pour les parents comme les enfants de trouver des idées cadeaux pour Noël, comme l'explique Aurélie Pro, directrice du salon Kid Expo. Qu'est-ce qu'on va trouver dans la haute cette année ? Pas mal de jouets high-tech, par exemple un Furby qui revient des années 90 avec plus de technologie, plus d'interaction avec l'enfant, des Twister Air avec une version aussi où on passe du tapis à l'écran. Sur place, les petits et les grands peuvent également se dépenser en s'initiant par exemple au volleyball handisport. Ou même en s'essayant à un petit cours de breakdance en famille. La Kid Expo, c'est à Paris, Porte de Versailles, jusqu'à demain avec Europe 1. Comptez 18 euros pour un billet duo, un adulte plus un enfant.